see glad me see this right now. You see who see them and see us in this blood clot yard. What? We gonna show them that we are the king in this blood clot yard, you know? Let me see, bro. Look at this, bro. See. The flat beam, bro. This is the most Gaza from full of gang, big up bum buckle at the glass, you see me? Light on the other. You know, see some people black and ugly, you know. That's why they're bleaching. We don't know how bleach, you know. What? Hey, you know why gangsta? Ha! If I let her come in, I'll answer. Ha! They could him up in the nobody buff. Ha! Mess with the big little bell there. Hey, you know why you money gangsta? Ha! If I let her come in, I'll answer. Ha! They could him up in the nobody buff. Ha! Mess with the big little bell there. People them a batty man them, but they don't see Gaza anytime they madder than them. So come for class, me no go play boy. You don't see Gaza play with the real Saturday them. Mama, chatty man them no mad like a me. Mama, pull a fake Saturday no madder than me. No. Every full of man them a proud of me. Say my talk on me but can they never know me. So. De l'autre côté, il a vu sur le changer, devenir comme un côté aventurier. Aventurier. Obsession à moitié, regarde la vie de l'autre côté, il a vu sur le changer, devenir comme un côté aventurier. Aventurier. Et plie ses habits, prend sa valise, sort pour l'aventure, pense qu'il va réussir. Revenir ici, les poches pleines de fric. Revenir ici avec de nouveaux costumes. Il dit bye bye à sa famille et ses amis. Espérons se voir si le bon Dieu nous donne envie. Je réalise pour rêve ce que je dis. Je changerai votre vie, mamie et papi. Pour ce sien, moi, tu regardes la vie de l'autre côté. Il a... Moi, je respecte tous les centaines guinéens. Même si tu n'es pas guinéen, même si tu n'es pas. Quoi, moi, si tu viens de la Guinée, moi, je respecte tout le monde. Ceux qui me connaissent très bien. Donc, comme ils voient que je les respecte, je parle paisiblement avec les gens, je suis poli. C'est pourquoi ils essayent de voir s'ils peuvent m'arnaquer. Moi, je ne suis pas un enfant. Tu n'es pas occupé plus qu'Alpha Condé pour Séoul. C'est ok, je suis occupé. J'ai l'argent de ses frères, comme... Mon programme, le business qu'on est en train de parler, ça ne s'arrange pas. Je lui remets son argent. Quand je serai prêt, le dernier message que tu avais amené, c'était ça. J'ai dit, frère, je sais que tu es occupé. Moi, je ne suis pas occupé. Remets-moi mon argent. Je vais faire d'autres programmes. Quand tu seras prêt, on va continuer notre business. What you tell me? C'est ça, Tcherno Selassie. Il doit me payer mon argent, même si c'est un héros. Parce qu'il y a d'autres qui viendront peut-être dire, ah, même si c'est un héros, je ne suis pas d'accord avec lui de manger mon argent sans mon accord. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il y a ces fans, amenez cette vidéo et montrez à Steve Wallox qu'il n'a qu'à me payer mon argent, qu'il n'a qu'à rembourser mon argent. Moi, on ne m'arnaque pas. Tu devrais me dire, tu n'as pas de transport pour rentrer en Guinée, j'allais payer, même si c'est 50 billets pour toi, tu vas rentrer. Sacre maman bomboclate. Bon, comment on dit ça? Je ne sais pas si c'est Bigida. Je ne vais pas expliquer tout aujourd'hui. Je vais juste faire cette vidéo pour qu'il voit et qu'il ramène mon argent. Et s'il y a deux jours qui passent, il n'amène pas mon argent, je viendrai ici vous montrer dès le premier message. Dès le premier jour que j'ai causé avec lui. D'ailleurs, je vais vous montrer d'ailleurs qu'est-ce qui a amené que j'ai causé avec lui. Le frère Moussain qui m'a parlé de Steve parce que moi je ne le connaissais pas. C'est un frère qui m'a parlé de lui. Il a dit Steve Wallox actuellement il est à Paris. Donc, je peux te donner son numéro. Je l'ai déjà expliqué de toi. Vous allez parler et vous allez vous comprendre. Donc, je sais pourquoi il m'a dit ça. Moi, je le prie comme c'est un frère guinéen. Je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. C'est vrai, je ne le connaissais pas. Mais je porte confiance à mon frère Moussain. Parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on s'est vu. C'est mon frère de ma famille. Il fait partie de ma famille. Moussain Prod. Everybody know that. Yeah, man. Donc, c'est à cause de ses frères que j'ai donné Steve mon argent. Steve a pris mon argent. Dans une semaine, il est rentré en Guinée. Il est rentré en Guinée. Quand je l'écris, il me dit, ah, je suis occupé, c'est comme ça. Dis-moi, toi, maintenant, il me répond plus même. Et quand je commissionne les gens l'appellent, ils disent que vous êtes trompé de numéro. Tu essayes de m'arnaquer, tu essayes de me prendre comme un enfant pour ce vol. Bon, bon, clad. Mais tu drink your blood pour ça.
Bon, fidèle, je suis désolé frère, tu peux aller lui demander combien tu dois le gars là. Il faut payer son argent, c'est simple. Moi, je ne veux pas beaucoup rentrer dans les détails ici. S'il paye mon argent aujourd'hui ou demain. Mais s'il y a deux jours qui passent, il n'a pas payé mon argent. Je vais vous montrer quoi ils sont capables, les chanteurs guinéens. La plupart d'eux, je ne veux pas dire tout le monde, je respecte votre travail. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui font semblant, qui viennent sur les réseaux sociaux, qui font semblant qu'ils ont tout. Pourtant, même un euro à manger, ils n'ont pas. Même un euro à manger, ils n'ont pas. Quand ils sont en Europe ici pour commander les youths, les ghetto youths qui n'ont même pas maison où dormir. You know, c'est pour les demander, aide-moi à avoir 5 euros, s'il te plaît. Demain, je vais me retourner en Guinée. Fuck your mama, pose ce Yarat. Donc, c'est ça. Saïdou frère, je vais t'expliquer le problème au privé. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails. Je vais t'appeler quand je finis ici. Je vais t'expliquer très bien c'est quoi le problème dès le début. Et je vais t'amener tous les messages. Toi-même, tu vas voir. Yaman. Donc, amenez cette vidéo jusqu'à trouver Steve et dites-lui de me donner mon argent. Et s'il dit maintenant qu'il n'a pas mon argent, ou bien deux jours passent, il ne m'a pas appelé, il n'a pas payé mon argent, je viendrai ici vous montrer tout. Et vous-même, vous allez juger. Merci là-bas, frère Raj, Gianni. Moi-même, je ne le calcule même pas qu'un chanteur. Mais seulement comme il y a un frère que je respecte beaucoup, qui me l'a montré, il m'a dit c'est un bon gars. Et moi, j'ai accepté. You know? J'ai accepté de causer avec lui. On a causé, on a préparé notre programme. Notre business. Tu vois? Merci beaucoup, Boubacar Diallo. Merci beaucoup à tous les youths qui me portent confiance. On va y arriver. Mais on respecte tout le monde, mais c'est les foutaises qu'on ne prend pas. Yaman. Frère, Kaka Dollar, je ne t'ai pas invité ici. Je sais pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et je suis pas, ce n'est pas obligatoire de te montrer toutes les preuves. Moi, j'ai dit. Steve Wallox, il n'a qu'à payer mon argent. C'est ce que j'ai dit. Il sait très bien qu'il a mon argent. Et il n'a qu'à payer mon argent. Ok, princesse Kila, je vais t'appeler, il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à payer mon argent, c'est simple. Et si il reste avec mon argent jusqu'à ce que je le vois avec mes deux yeux, mon argent est avec lui, là, ça sera une autre chose. Là, je vous le promets. Et aujourd'hui, je ne vais pas appeler les Fula Gang d'aller massacrer sa famille. Pourquoi? Parce que c'est la première fois de l'avertir aux autres. Cette vidéo, c'est juste pour l'avertir. C'est parce que j'ai commissionné des gens qui le respectent et que lui-même, il respecte. Il parle avec tous ces gens. Je l'ai commissionné, ils n'ont pas pu arranger les choses. Alors, c'est ça, Boubacar Banabari. Peut-être c'est ça, hein. Il n'a qu'à, en tout cas, il n'a qu'à voir comment il va faire. Il n'a qu'à chercher une solution pour payer mon argent. Parce que moi, on ne m'arnaque pas. On ne m'arnaque pas. Moi, je ne prends pas ça. Il y a beaucoup de youths, il y a beaucoup de soldats qui m'ont dit, hey, il y a beaucoup qui m'ont dit, arrête, laisse ces centaires-là. Il y a les Jamaïcains ici, man. Il y a les Américains, il y a les Nigériens, là, il y a les Ivoiriens. Ya, man. Tu peux collaborer avec ces gens-là et faire tes business cool, man. Mais... quoi qu'il arrive, je suis un Guinéen, je resterai toujours Guinéen et je suis fier. Et je préfère de se donner les mains avec mes frères Guinéens pour le moment que de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre, je voulais dire. Et ce sont mes propres frères qui essayent de m'arnaquer. Comment vous voyez les choses? Alors Steve Lox, tu connais que tu as mon argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais la manière dont tu veux jouer ton acte, je vais te montrer que tu n'es pas mad. Que tu n'es pas mad youth. Mais real full of gang, everybody. Non. Mais real top shot, everybody. Non. Mais a road boy. Mais grow up in the road. Everybody know that. Bon, frère, moi, je ne sais pas travailler avec eux. C'est un business qui était avec lui, entre lui. Je n'ai pas travaillé avec lui. Steve a quelle inspiration pour travailler avec moi? Mais si Steve doit travailler avec moi, il doit me payer. Parce que moi, je ne le vois pas comme un chanteur. Si Steve veut faire featuring avec moi, il va me payer. Allez-y lui dire ça.
Si il veut faire featuring avec moi, il va me payer. Mais le business qui était entre lui et moi, il sait, je sais comment il a récupéré mon argent. Il y a ses vocales ici où il m'a appelé et où il a envoyé les vocales. Il m'a dit, frère, j'ai réussi l'argent et c'est ça. Yadat, tu as réussi l'argent. Tu es rentré en Guinée, tu as payé l'argent, billet de transport et billet d'avion. Tu es rentré chez toi et maintenant tu me prends comme un enfant. Maintenant tu me fais des zigzags.